Ce sera une soirée émotive au Grand Théâtre de Québec. Marie-Christine, on y présente la première médiatique de Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants. Oui, et assurément qu'avec le départ de Carl Tremblay, bien, on est dans une toute autre émotion pour ce soir de première. Les artistes, les gens qui seront également dans la salle, on s'attend vraiment à une soirée riche en émotions. Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants, qu'est-ce que c'est ce projet-là? C'est un projet des sept doigts de la main. Le metteur en scène, Sébastien Soldevilla, qui a présenté ça aux Cowboys fringants il y a de ça plusieurs mois. Il voulait donc piger dans le répertoire des Cowboys fringants pour en tirer une histoire, pour faire ressortir certains personnages. Jean-François Posé, qui s'est joint également à l'équipe, il a composé donc cinq nouvelles chansons qui ont été également enregistrées par les Cowboys fringants, donc on va retrouver dans cette comédie musicale. L'histoire est simple, celle d'un homme qui a un ennui avec son automobile, qui se rend dans le seul endroit qui est ouvert, c'est le Pub Royal, et on nous dit que ça va changer sa vie. On nous a dit vraiment qu'on voulait encore une fois bien, mettre de l'avant des situations qu'on dénonce, notamment dans le répertoire des Cowboys fringants. On a fait le tri à travers plus de 150 chansons quand même pour créer ce spectacle. Sept chanteurs, acteurs qui seront sur scène, sept danseurs et six artistes de cirque également. Donc, c'est un spectacle qui s'annonce grandiose. Bien sûr, on aura une pensée pour le chanteur ce soir. Sachez d'ailleurs, je vous l'ai dit, qu'il l'avait enregistré, les chansons. Ça va découler sur un album qui sera donc présenté quelque part en 2024. On tenait absolument à avoir la voix de Carl, donc sur ces nouvelles chansons des Cowboys fringants. Ce soir, c'est donc la première médiatique. Hier, il y avait une représentation. On a senti déjà que les gens avaient apprécié le spectacle, mais avaient vécu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ça sera présenté jusqu'à dimanche du côté de Québec. Oui, ce sera toute une soirée, effectivement. Merci beaucoup, Marie-Christine. Absolument.